Bonjour à tous. J'aimerais te dire que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et il revient bientôt. On est à la fin des temps. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est à cause du péché. C'est parce que l'homme est déchu. L'homme est maudit. Et il a besoin de retrouver son Créateur. Je t'annonce cet après-midi que Jésus est venu pour sauver tous les pécheurs, les menteurs, les alcooliques, les pédophiles, toutes sortes de pécheurs. J'en faisais partie il y a 10 ans en arrière. Mais il m'a sauvé. Il a ôté mes péchés. Je ne mens plus. Non. Un chien, c'est un chien. Jésus m'a libéré de l'adultère. Ah oui, fidèle à ma femme. Fidèle à ma femme. Ma femme. Et il veut faire pareil pour toi. Parce que si tu meurs dans tes péchés, tu vas en enfer. Et c'est pas ta religion qui te sauvera. La preuve, toujours menteur. Tu dis toujours des gros mots. Gros mots sur gros mots. Mes amis, cherche pas trop loin. Tu connais pas le Créateur. Tu avortes tes enfants. Tu connais pas le Créateur. Tu te masturbes. Tu connais pas le Créateur. Tu mates les fesses des hommes, des femmes. Tu les convoites. Tu connais pas le Créateur. Tu aimes le zouk, le rap, le shit, la drogue, la cigarette. Tu connais pas le Créateur. La vie sur terre, c'est l'avant-goût de l'enfer. Donc imaginez-vous l'enfer. Imaginez-vous le feu. Mes amis, nous arrivons bientôt sous le règne de l'Antichrist, la dictature mondiale. Mes amis, on y est. Dans ton cœur, crie au Seigneur. Il va te sauver. Bon courage, hein. L'argent là, ça a échoué. Les riches meurent aussi. Les riches meurent aussi. Donc c'est pas l'argent la richesse véritable. C'est la foi en Jésus. Mes amis. Ayez la foi en Jésus-Christ. Il y a un seul sauveur. Il y a un seul Créateur qui veut vous sauver. Il s'appelle Jésus, que beaucoup ont rejeté. Il est la pierre angulaire. Mes amis, Jésus veut restaurer ta vie. Il veut sauver ton âme. Car après la vie sur terre, l'enfer est le ciel. Dans le temps que nous sommes dans un temps où il faut écouter ce qui se passe dans le monde. Et pour écouter ce qui se passe dans le monde, tu dois lire la Bible. Car la Bible est le commencement et la fin du monde. Genèse, Apocalypse. Dans quel temps que nous sommes à votre avis? Genèse ou plus Apocalypse? Elle est simple la réponse. On y est. C'est pour cela que la Bible annonce le chaos mondial. Jésus a tout annoncé. Jésus a prêché, mes amis, qu'à la fin des temps, le mal serait prôné, le péché serait prôné. Repentez-vous de vos péchés. Sortez de l'adultère, la cigarette, le film porno, le fraude, l'inceste, la sodomie. Il est l'heure que tu abandonnes tes péchés, jeune homme. Car nous sommes à la fin des temps. Mes amis, oh Jésus, oh Jésus, Jésus veut te sauver, crois en Jésus. Sera sauvé. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. J'aimerais te prêcher l'évangile. J'aimerais t'annoncer ce message parfait. La mort et la résurrection de Jésus. Il est l'espérance pour le monde. Mais le monde pense que l'espérance, c'est le sexe, c'est les boîtes de nuit, c'est sa beauté, c'est TikTok. C'est Facebook,
les réseaux, mes amis, réveille-toi. C'est le temps de réaliser que c'est la fin. Et que ce qui arrivait à l'époque de Noé, à l'époque de Sodome et Gomorre, est en train de se reproduire. Nous sommes actuellement dans Genèse 11, où les humains se rassemblent pour construire leur tour, la tour de Babel. Les humains ont le même langage, la même pensée, les mêmes actions, et tout est tourné vers le péché. On veut asseoir le péché dans le monde. Mal, la nudité. Regardez l'état du monde. C'est un zoo. Des femmes avortent. Des gens divorcent. Tu avortes ton bébé. Tu fumes la clope. Ne vois-tu pas ton état, jeune homme, monsieur, madame, jeune fille, que tu as besoin de Jésus? C'est là qu'on réalise véritablement la portée et la puissance de l'évangile de Jésus. Jésus veut te délivrer, madame, du péché sexuel, de la fellation, du mal, la drogue, des pensées impures. Et si vous mourrez dans vos péchés, mes amis, à votre avis, où irez-vous? À ton avis, où amène le péché? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Où est-ce qu'on amène le mensonge? Ouais, tu mens. Là, le mensonge, là. Ça amène où? L'adultère, tromper sa femme, son mari. Où est-ce que ça t'amène après la mort? Au paradis? Ou bien le contraire du paradis? Mes amis, je vous assure qu'après la mort, il y a deux lieux. Hadès et le royaume du Seigneur. Mais malheureusement, lorsqu'on voit l'état du monde, beaucoup vont en enfer. Parce que beaucoup trafiquent les papiers. Beaucoup trompent leur mari. Beaucoup aiment le mal. Parce qu'ils n'ont pas connu Jésus. Voilà pourquoi je t'annonce que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Je ne croyais pas ça avant. Parce que avant j'étais dans le mal. J'aimais le mal. J'aimais la drogue. J'aimais le chute. Je tapais les flics. J'aimais aller voir les prostituées. Je mentais. Je fraudais. Dieu là, je savais qu'il existait. Mais comment le rencontrer? Je croyais que c'était la religion. Mais en vérité, aucune religion ne révèle le Créateur. Non. Les religions sont des sectes. Ah bah oui. Et les religions ne peuvent changer que vos apparences. Mais ta bouche, toujours des gros mots. Tu connais pas le Créateur. Non, 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 non. T'as dit ferme-ta aujourd'hui, ferme-ta là. Tu connais pas le Créateur, c'est pas possible. T'as dit ça l'arabe, ça noir. Tu connais pas le Créateur. Parce qu'il dit faut s'aimer. Ah bah ben oui. Aimer son prochain, eh ben c'est pas avorter. Ah bah ben oui. La barre est haute. Voilà pourquoi sans Jésus, personne ne peut être sauvé. Ah bah ben oui, il est sans péché. Voilà pourquoi ça fait 10 ans. Pas de gros mots, moi. Non, 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 non. Pas de racisme. Pas de masturbation. Pas de vol. Pas de vol. Pas de fraude. Pas de film porno. Pourquoi? J'aime Jésus. Et c'est ça, aimer le Créateur. Ne pas pratiquer le mal. Et c'est ton cœur qui veut. Invoque-le. T'as déjà crié, oh mon Dieu, en plus. Oh mon Dieu. Ben oui, il existe. Ah oui, mon coco. Il est plus réel que Corona. Plus réel. Bon courage, en tout cas. Bonne journée. Jésus. Bonsoir tout le monde. Bonjour. J'aimerais te parler de l'assurance parfaite que tu peux avoir dans ce temps de trouble. Et lorsqu'il y a un temps de trouble, eh bien c'est un moment où il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans le monde? Pourquoi il y a Corona? Pourquoi il y a le sida? Pourquoi il y a le mal? Pourquoi il y a la violence? Pourquoi il y a le mensonge? Pourquoi tout le monde ment aujourd'hui? C'est parce que l'homme est pécheur. Ben oui, pécheur. À cause d'Adam et Ève, l'homme a été souillé par le péché. Voilà pourquoi tu n'arrêtes pas de mater les fesses des femmes. T'arrives pas d'arrêter. Tu mates les fesses des femmes. En fait, le diable te tient comme un pantin. Tu es lié. Tu dis des gros mots tout le temps. T'es lié, mon ami. En fait, quand on dit lié, t'es possédé, en fait. Pour bien comprendre. Et aucune religion ne peut t'aider. La religion, c'est comme un aspirine. Il retient le mal de tête, après ça revient. En gros, la religion change les apparences. Mais la religion ne retire pas le péché. Non, impossible. Voilà pourquoi le Créateur
est venu pour nous montrer l'exemple parfait. Une vie pure. Jésus, sans péché. Jésus, l'amour parfait. Et il t'aime. Ah, il t'aime. Voilà pourquoi je t'annonce qu'il a payé pour toi. Sur la croix, il a pris tous les péchés de la terre, y compris les miens. Parce que grâce à lui, j'ai arrêté l'adultère. Grâce à Jésus, j'ai arrêté le mensonge. J'ai arrêté le chute. Il a retiré ma maladie il y a 10 ans. J'ai failli mourir. Jésus a bouleversé ma vie. Je ne trompe plus ma femme. Je ne dis plus gros mots. Je n'ai pas à taper les gens. Parce que Jésus dit quoi? D'aimer son prochain. Waouh! Voilà pourquoi je crie comme ça. Hein? Il est terrible. Quel amour! Et nous sommes à la fin actuellement. Beaucoup ne croient pas en Dieu, mais ils croient au Corona qui est aussi invisible. Parce que Corona, il tue. Mais Dieu a créé le ciel et la terre. On ne vient pas du Big Bang. Non. Impossible. On ne vient pas du hasard. Regarde comment tu es beau, toi. Même si on te mange, tu es beau quand même. Dieu te trouve beau. Jésus te trouve beau. Même mange petit aux yeux du monde. Il t'aime comme tu es, le Seigneur. Il t'a donné un gros nez, des petits yeux. C'est parce qu'il a voulu faire comme ça. Va pas faire la chirurgie plastique pour te transformer comme des poupées. Mes amis, le monde a besoin d'entendre la vérité. C'est pas l'argent la solution. Maradona est mort. C'est pas l'argent la solution. Les riches meurent. C'est qui la solution? La foi en celui qui promet le ciel. Parce que sur terre, tout s'écroule. C'est l'avant-goût de l'enfer ici là. Donc imaginez-vous l'enfer. L'état de l'enfer, mes amis. Bon courage. Repentez-vous du péché. Sodomie, viol, masturbation, film porno, bagarre, gros mots, avortement, hypocrisie. Arrêtez le Père Noël aussi, ça. Le Père Noël, ça c'est un mensonge en plus. T'habites un F2, t'habites un F3. Et vous que vous montez à vos enfants. Oh le Papa Noël, bonne année. Quelle bonne année ça? Quelle bonne année? Ça c'est une secte aussi. Ça c'est une secte. Bonne année. Qui a dit bonne année ici encore aujourd'hui? Même pas un bonjour. Et on dit bonne année. Oh, tout ça c'est hypocrisie. Bon courage tout le monde. Jésus là, il est magnifique. Bon courage les gars. Jésus est vivant. Croyez en lui, vous serez sauvés. Alléluia. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Il revient Jésus. Salut chef. Bon. Nous sommes à la fin. Regardez l'état du monde. Drogue, cigarette, porno, sodomie, viol. C'est l'heure de se repentir, mes amis. Repentez-vous de vos péchés. Quittez le péché. C'est le moment de donner sa vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. C'est le seul qui peut ôter tes péchés. C'est le seul qui délivre de la masturbation, la drogue, l'inceste. C'est Jésus, mon ami. Et Jésus est vivant. Oh oui. Jésus est vivant. Jésus de Nazareth. Venez à Jésus. Et vous aurez la vie. Vous aurez l'assurance éternelle. Croyez en Jésus. Oh Jésus. Le roi des dieux veut te sauver. Viens à Jésus-Christ. Il est le salut de l'humanité. Oh oui, le monde est perdu. Les humains ont tout détruit. Ils se tuent par la cigarette. Les humains se droguent. Les humains ont besoin d'entendre que le paradis existe. Oh oui, mon ami, Jésus t'aime. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Et juste la foi, mon ami. Parce qu'après la mort, il y a vraiment l'enfer qui existe. Et aussi le paradis. Et Jésus veut qu'après ta mort, que tu montes au paradis. Parce qu'il t'aime, Jésus. C'est l'heure de la foi. C'est l'heure d'entendre le message véritable. Que Jésus-Christ est le Sauveur. Que Jésus-Christ est celui qui peut changer ta vie. Jésus-Christ est celui qui peut réformer tes voies. Et la foi. Et la foi. C'est pas l'argent la solution. C'est pas le sexe. C'est pas la pornographie.
c'est pas la politique. Mes amis, les humains ont besoin d'entendre la foi véritable. Quittez la drogue. Arrête de fumer. Arrête de tromper ta femme. Jésus veut sauver ton âme. Si tu meurs fumeur, tu vas en enfer, mon ami. Ils sont hors de sens. Et aujourd'hui, les hommes pleurent. Parce qu'il y a Corona. C'est le début des pleurs. C'est le début. Non. C'est le début des pleurs. Parce que bien, tu peux te moquer de moi. J'ai une femme, des enfants. Je suis marié, je rends du boulot. Mais ne meurs pas dans tes péchés. Un conseil. Ne meurs pas adultère. Ne meurs pas pédophile. Ne meurs pas dans la masturbation. Babo Djevia Zop. Babo Djevia Aou. Je parle en Guadeloupe ici. Arrêtez zouker Madame Amboun. Arrêtez de zouker les femmes d'autrui. C'est le sexe. Comment voulez-vous que Dieu vous sauve? Tout ce que Dieu n'aime pas vous aimer. Masturbation. Front d'étreint. Gros mots. Porno. Coucher en mariage. Si vous mourrez comme ça, mes amis, vous êtes un enfant. Je suis Guadeloupéen. Il y a 10 ans en arrière, je t'appelle la police. Oh oui, j'étais dedans. Yo. J'étais dedans. À fond. Mes amis, lorsque la vérité est prêchée, ça dérange. Pourquoi? Parce que l'homme est pécheur. Mais lorsqu'on voit des gens culottes, vous aimez ça. Lorsqu'on parle des feux de l'amour, vous aimez ça. Tout ce qui a un rapport avec le mal, vous aimez. Mais quand on prêche la vérité, l'homme refuse. Oh, tais-toi, je vais parler. Parce que Jésus m'a sauvé du péché. Je ne me masturbe plus. Non. Je ne trompe plus ma femme. Je ne fume plus la cigarette. Non. Les pécheurs, Jésus est mort pour vos péchés. Le diable t'attend en enfer. Et il va te tuer comment? Comme Johnny, la clope. Continuez. Aïe. Voilà pourquoi Jésus est mort pour nos péchés. Il est la vie éternelle. Bon courage, je vous aime. De l'amour de Jésus. La joie. J'ai pas beaucoup d'argent, mais ma richesse, c'est au ciel. La vie éternelle. L'argent rend pas heureux. Maradona est mort. Il était riche. Mort. Crise cardiaque. Et toi aussi. Pauvre aussi. Tu mourras aussi. Voilà pourquoi il ne faut pas courir après l'argent. Ne courez pas après les choses de la terre. Car tout n'est que vanité. Bon courage. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Donne ton cœur à Jésus. Jésus veut te sauver. Saint-Denis, Jésus veut te sauver. Donne ton cœur à Jésus. Jésus revient bientôt. Il veut te sauver de tes péchés. Il veut te sauver du mensonge, les films porno. Jésus est la vie éternelle. Mes amis, bonsoir, bonjour. Nous sommes dans un monde qui est en train de s'écrouler. Les humains meurent tous les jours à petit feu, dans la drogue, la cigarette, pensant qu'après la mort, c'est le paradis pour tout le monde. Non. La Bible dit qu'il y a l'enfer aussi. Et que beaucoup iront en enfer. Voilà pourquoi Jésus est mort pour nos péchés sur la croix. Accepte l'évangile que Jésus nous a donné. Ce n'est pas l'argent la solution. Courez pas après l'argent. Les riches meurent aussi, mes amis. Voilà pourquoi la Bible parle de la vie éternelle. L'assurance qu'il y a en Jésus. Il peut te sauver de la cigarette, de ton cancer. L'argent ne peut pas le faire. Non. Mais Jésus, il peut tout pour toi. Afrique, Maghreb, Jésus t'aime. N'oublie jamais cela. Non, c'est Jésus, mon ami, le sauveur. C'est Jésus, le sauveur.
C'est Jésus qui délivre de la cigarette. Moi, je ne fume plus la cigarette, hein, mais Jésus peut t'aider. Ah oui, si tu fumes, c'est qu'il y a un problème. Oh oui. Mais Jésus peut vous sauver de la clope. Parce que fumer va te tuer comme Johnny. L'heure est venue où tu dois entendre l'évangile avant de mourir. Et la foi en la Bible et la foi en l'évangile que Jésus nous a donné. Mes amis, nous sommes dans un temps où les hommes doivent se réveiller et prendre conscience. Jésus est le Sauveur. T'aimes Jésus, mon ami. Jésus veut te sauver de tes péchés, mon ami. Si tu meurs dans tes péchés, tu vas en enfer. Le royaume des cieux existe. Et sans Jésus, nul ne peut être sauvé. Sans Jésus, nul ne peut prétendre le paradis. Parce qu'il n'y a que Jésus qui a vécu la mort. Il n'y a que Jésus qui a vécu la maladie. Après la mort, c'est l'enfer pour les pécheurs. Et le royaume des cieux pour tout homme qui va se repentir. C'est l'heure de quitter la drogue, quitter l'inceste, sortez des films porno. Nous sommes à la fin, le vaccin, pour préparer vos consciences. Et dans l'Apocalypse 13, la Bible dit que sans la marque de la bête, nul ne pourra ni acheter ni vendre. Mes amis, je rentre du boulot, mais quand j'ai vu la Bible, est-ce que le monde est en train de faire, je me suis dit non. Dieu existe. Non. Jésus existe. Oh oui. Comment sait-on que Jésus existe? Quand tu t'approches de Jésus, il te retire la drogue, la cigarette, la masturbation, le viol. Jésus te pardonne tous tes péchés. Il m'a pardonné mon adultère. Jésus veut te sauver, monsieur, madame. Et la foi en l'évangile qui nous a été donné. Si vous mourrez dans vos péchés, vous allez brûler en enfer pour le restant de l'éternité. Je vous dis la vérité, l'heure est grave. Il n'y a plus l'amour, il n'y a plus la paix, il n'y a plus la santé. Chaque parole aux hommes. Pourtant la France dit qu'on a le droit de s'exprimer. Quand vous cassez les boutiques, tu t'exprimes, vrai ou faux? Laisse-moi prêcher l'évangile. Laisse-moi parler de Jésus. Le monde a besoin d'entendre la vérité. Et la vérité est que Jésus vous aime. La vérité est que le salaire du péché, c'est l'enfer. Mes amis, Jésus revient. N'attache plus ton cœur au sexe. Non. N'attache plus ton cœur à l'argent. N'attache plus ton cœur au film porno. C'est le moment de se détourner de ta vie de masturbation, de ta vie de pédophile. Détourne-toi du mal en acceptant Jésus. L'heure est grave. Après Corona, il y a d'autres carreaux qui arrivent. Vous serez contrôlés, chelous. Ils disent la vérité. Voilà pourquoi on les traite de chelous. Parce qu'on ne veut pas que tu sois éclairé. Corona tue. Mais le bureau de tabac, c'est ouvert. Tu dois fumer pour mourir. Fumer pour que l'argent rentre dans les caisses. C'est pour ça que c'est ouvert. Pour mieux te tuer. Voilà pourquoi Jésus veut t'éclairer. Parce que le diable, il te rend aveugle. Les humains pensent que c'est l'argent. C'est la fête, les boîtes de nuit, le péché, la life. Oh, c'est ma life. Oh, je couche avec les meufs, c'est ma life. Tu vas payer demain. Tu vas payer. On ne trompe pas sa femme, mon ami. Moi, je suis marié à ma femme. Ça fait 10 ans. Je ne la trompe plus et je n'ai pas de sida. Je suis Guadeloupéen. Pour comprendre que les Guadeloupéens, leur étiquette, c'est quoi? On connaît déjà. Trop faux. On connaît.
Mais quand tu rencontres le Créateur, quand tu sais qui est Jésus, Jésus qui n'a jamais dit aux hommes de devenir protestants, évangéliques, aucune religion ne peut révéler Jésus. La religion, ce sont des sectes. Et la première secte du monde, c'est le catholicisme. À 2 mois, ton bébé, baptisé. Il connaît rien tout ça. Baptisé, secte. Secte! Ah ben oui, c'est une secte, le catholicisme. Tu pries des statues, des briques, formées par les mains des hommes. Grand faux. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il n'a pas dit aux hommes de prier Marie, de prier Paul, de prier Jacques. Jésus, il a prêché le royaume des cieux. Repentez-vous de vos péchés, sortez de la drogue, quittez la masturbation. Mes amis, Corona, c'est le début des pleurs. Les humains ne croient pas que Dieu existe, mais ils croient au Corona, qui est aussi invisible. Mais croient en Dieu aussi, mon ami. Dieu aussi invisible. Mais quand on voit que Dieu a créé la terre et le ciel, on ne peut pas dire qu'on veut du Bing Bang. Dieu a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé Adam et Adam. Tes fesses ont été créées pour faire caca. Vous êtes possédés, cette génération. Possédés. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus veut éclairer les pécheurs. Sortez du mal. Qu'est-ce que le mal? La clope. Qu'est-ce que le mal? Le fraude. Qu'est-ce que le mal? Tromper sa femme. Qu'est-ce que le mal? Être polygame. Dieu n'a pas créé Adam et 4 Ève. Non. C'est hors de sens. Aucune femme ne peut accepter d'avoir un mari et 10 femmes à la maison. Ça, c'est compliqué, ça, mon ami. À moins que quelqu'un me dise que c'est bon, ça. Si tu aimes ça, tu es vraiment mauvais, toi. Dieu n'a pas créé deux Adam. Donc, actuellement, ce sont les signes du retour de Jésus. Avant, je traînais ici avant. Oh, les meufs. Maintenant, je t'annonce la vérité. Le salaire du péché, c'est l'enfer. Les humains, mes amis, se prostituent. Tu couches en mariage. Tu fumes la clope. Pourtant, écrit fumais-tu, hein? Fumais-tu? Mais l'homme est possédé. Voilà pourquoi si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Il faut entendre la parole. On est en France. On m'aurait tué avant, dans certains pays. Mes amis, je vous annonce la vérité. Je vais parler de Jésus. Le monde des pécheurs. Sortez du péché. Sortez de la drogue. Repentez-vous. Acceptez l'évangile, la vérité qui est en Jésus-Christ, mes amis. Jésus est le chemin qui te conduira au ciel. Jésus est la vérité. Jésus n'aime pas l'inceste. Non. L'homme ne doit pas coucher avec sa soeur. Le papa ne doit pas coucher avec sa mère. Non. Nous sommes dans un monde où le mal est accepté. On m'empêche de parler. Mais à Saint-Denis, c'est un zoo ici. Et dans ce zoo, Jésus veut sauver quelqu'un. Jésus veut éclairer quelqu'un. Quelqu'un qui va mourir ce soir. Mon ami, la mort ne vient pas. Où vas-tu aller si tu meurs ce soir? Où iras-tu si tu meurs ce soir? Beaucoup pensent qu'on ira au paradis. De la drogue, la pornographie, l'adultère, la fornication. La Bible dit... Merci. Le salaire du mensonge, du péché, c'est l'enfer. Arrête de te masturber. Arrête de voler. Passe une formation. Avant, j'aimais la drogue. J'aimais le shit. Je vous dis la vérité. Mais pourquoi je presse comme ça? C'est parce que je vous emmènerai en enfer. Ah ben oui. Ah oui, c'est vrai. Sortez de l'illégalité. Dieu vous aime. Mon ami, Jésus revient. Regardez l'état du monde. Il y a tout. Seront marqués de la puce biométrique. La marque de la bête. Le 666. Quand j'ai vu la Bible, j'ai dit non. Jésus, le monde est vraiment maudit. Le monde
a vraiment besoin du Créateur. Mais toi, on te vend Rihanna. Et tu fais comme Rihanna, à poil. Toi, on te vend Booba. Yo, 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 continue comme ça. Continue. Tu aimes le zouk. Ouais, le zouk là. Le rap, l'inceste. Écoutez ce message. Jésus-Christ, il est venu pour traiter le problème du péché dans nos cœurs. Le péché. Prends la police. La police n'est pas content. Parce que je parle des choses qui vont réveiller Satanie. Oh oui, le mal. Vous aimez le mal. Une génération adultère, pornographe. Vous aimez le mal. Repentez-vous, les jeunes de Satanie. S'il vous plaît, allez travailler. Comme ça, la police, là, vous vous laissez tranquille. Venez à Jésus. Repentez-vous de vos péchés. Sortez du péché. Jésus vous aime. Congo, Jésus t'aime. Venez à Jésus. Je vous dis la vérité. Il a un plan pour ta vie, Jésus. Il veut te sauver de la clope. Jésus veut t'emmener au paradis après la mort. Pas en enfer. Mais malheureusement, si vous mourrez dans vos péchés, malheureusement, c'est l'enfer. Et l'avant-goût de l'enfer, c'est sur terre là. Et la vie éternelle. Bon courage, chef. Venez à Jésus. Jésus va te sauver. Jésus va te délivrer. Acceptez l'évangile. Pourquoi fumes-tu? Pourquoi tu fumes? As-tu les réponses? C'est parce que le diable te tient lié. C'est pas toi qui veux fumer. Enfin, toi aussi t'en veux. C'est parce que la chair est faible. Parce que Adam et Ève ont péché. Je l'ai dit là, hein? Écoute. Lorsque Adam et Ève ont péché, le diable, il a détruit ce que tu aimes. L'homme, la femme, l'humanité. Et je vous dis la vérité. Prends du boulot là. J'ai un métier, crois pas que je suis un pauvre qui veut de l'argent. Mon ami, je te dis la vérité. La Bible, elle est vraie. Nous sommes dans l'état apocalyptique aujourd'hui. Et bientôt, vous serez marqué d'une puce biométrique par l'armée, le système de l'antichrist. Mon ami, écoute, je t'en supplie. Et avant cela, ils doivent te parler de vaccins pour ta vie. Et les voleurs, les sodomites, les hommes qui trompent la femme, les drogués, mon ami, vous irez en enfer malheureusement. Parce que vous commettez le mal. Et Jésus est saint. Il est sans péché. Sans péché. Moi avant, je trompais ma femme. Moi avant, je frappais ma femme. Moi avant, je fumais aussi. Oui, hein. Mais Jésus, waouh, quel amour. Et c'est pas la religion. Tu peux crier au mon Dieu comme les athées partout. Dieu va te parler. Si les athées crient au mon Dieu, c'est que Dieu existe. Si la terre tremble là, vous allez voir, vous tous là. Ah, mon Dieu! Hypocrite, il existe ou il n'existe pas? Ah, il existe. Et il est plus réel que Corona. Corona, vous avez la foi en Corona. Le masque, les mains. T'as la foi parce que tu sais qu'il est quelque part le microbe. Mais laisse-moi te dire. Non, 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 faut pas dire ça comme ça. Eh ben, va toucher les malades pour voir. Je comprends que tu n'aimes pas cette maladie. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Mais laisse-moi te dire que Dieu a créé la terre et le ciel. Il est plus réel que Corona. Et il vous aime. Il ne faut pas parler comme ça, c'est pas bon. Tous tes gros mots t'amèneront à l'enfer, jeune homme. Je dis la vérité. Vous serez jugé sur vos paroles, vos actions. Mais la Bible dit que Jésus, il fait quoi? Il pardonne. Jésus pardonne les pécheurs. T'as dit quoi? Hein? Qu'est-ce que tu as fait comme péché? Jésus, moi il m'a pardonné ma bagage, je t'appelle la police avant. Avant je t'appelle ma femme, je mentais, je t'appelle les gens, les femmes. Jésus m'a tout pardonné. Et quand il te pardonnera, il faudra pour recommencer. Mais croyez en lui, c'est pas des blagues, il est vivant. Mais en fait, dans votre... maintenant il peut te pardonner. Mais en fait, faut que tu sois sincère, que tu regrettes ce que tu as fait. Parce que je suis un menteur, il faut que j'arrête de... Moi je suis une merde, faut plus mentir. Moi je peux pas passer jusqu'à maintenant.